Dans la casa. Ah là là, que ça me fait plaisir. Les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour. Désolé de ne pas avoir été présent sur ce début de saison. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'avais besoin de profiter un peu de la vie, tout simplement. Voilà, sortir, revoir des potes, etc. M'éloigner un peu des réseaux. Ça m'a fait du bien, mine de rien. 4-5 mois de pause, donc ça m'a fait vraiment du bien. Et on est de retour aujourd'hui. Ça y est. Et attention, quel match aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, nous recevons les gars, le Real Madrid, les amis, au stade Pierre-Mauroy pour la Ligue des Champions. Ça va être exceptionnel. La musique de la Ligue des Champions dans notre stade et un match de gala, les amis. Lille-Real Madrid, ça va être une folie. Je pense que niveau ambiance dans le stade, on peut égaler, je pense, l'ambiance de l'année dernière face à Aston Villa, voire peut-être monter encore plus en puissance. En tout cas, je suis grave pressé. Je parle avec pas mal de supporters depuis quelques jours et tout le monde est pressé d'y être également. Là, il est 15h seulement, match à 21h. Je vous avoue, les gars, j'ai déjà envie de partir. J'ai déjà envie d'être au match. Donc, je pense que mine de rien, je vais pas trop tarder. Je pense que vers 17h30, je serai au stade. On va retrouver le temple. On va retrouver, voilà, les habitudes de d'habitude, tout simplement. Et c'est parti, les amis, go! Allez les amis, on est sur la route, bon, la composition probable vient de tomber, on va dire entre guillemets, bien sûr c'est que probable, on verra ça une heure avant le match. Mais on partirait du coup sur bien sûr Lucas Chevalier dans les buts, sur une défense centrale, Alexandro Diakité. À droite, on aurait du coup Thomas Meunier et à gauche Gudmundsson qui nous fait un très bon début de saison. Donc du coup on aurait du Thiago Santos sur le banc. Milieu de terrain, bon bah pas le choix les gars, avec les suspensions etc, ou par exemple du André Gomes qui est pas inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. On part du coup forcément sur du Benjamin André, Ayoub Boadi qui d'ailleurs fête ses 17 ans aujourd'hui, qui va être titulaire face au Real Madrid. Je pense que cet anniversaire là il va s'en souvenir. Ensuite on partirait sur Sarawi à gauche sur l'aile, et sur l'aile droite on partirait sur Zegrova, Cabella en 10, et on est bien sûr sur du Jonathan David en numéro 9 qui vient de marquer d'ailleurs un triplé face au Havre. Donc super pour le relancer dans la confiance. Du coup on verra bien, tous les cas les gars, nous ce qu'on veut c'est juste 11 guerriers sur le terrain. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. On veut 11 guerriers, 11 chiens, 11 dogs, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, là on est sur la route, direction Lille, direction Stade Pierre-Mauroy et direction le temple, let's go. Nous y sommes les gars, le retour au Stade Pierre-Mauroy, magnifique. Il est 17h45, les joueurs arrivent je pense d'ici 2h. Il y a déjà tout ça qui attend les joueurs à la sortie du bus. C'est des fous. Moi je vais boire une petite bière au temple, je vous avoue les gars. Bon les amis, petite bière du temple. Et il m'a fait un petit cadeau, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça les gars. Elles sont de retour. Il m'a dit j'ai un cadeau pour toi, Joe du temple. Et il m'a ramené ça les amis. C'est de retour. La saison peut officiellement commencer. Les chaussettes du Vel sont de retour les amis. T'es obligé, nous parce que tu te dis ouais il y a Brest. Mec, je traque à la victoire du LOSC et au doublé de Jonathan David. Justement, justement, ton pronostic. Ton pronostic. Mais je vous l'ai dit, 2-1 pour le LOSC. On encaisse en premier Vinicius qui marque. Mais David après qui lui montre c'est qui le vrai joueur sur le terrain. Et Alexandre va montrer ce qu'il est le vrai brésilien à Rodrigo. Est-ce qu'il y aura un tête à tête Alexandre Vinicius? Ouais ça c'est sûr. Quand t'as un sur Betclic, je l'ai vu tout à l'heure. Mais gros, tu vas me trouver facilement, tu vas me trouver facilement, je t'assure. Après vaut mieux. Ok bah gros regarde, va vers le. Va vers le. Attends, il y a quelqu'un qui me déconcentre là. Ouais ouais bah je suis vers là, voilà, je suis vers là. Bah attends, je t'appelle en fast time, je t'appelle en fast time. Vas-y. Ouais du coup je disais Jonathan David doublé tout à l'heure, c'est ça. Bah ils vont être là. Il y a un retour.
Ça va, Voloteur, jamais eu de problème avec Voloteur. Putain, mais lui, tout le temps. Du coup, je disais, ouais, David, il va être un doublé. Ça, ça va être le truc de la vidéo. Hein. David doublé et qui doublé. Marque pour le Real déjà. C'est Vinicius, toujours. Vinicius. Troisième verre, mais je reste lucide. Deux doublés du LOSC. Ok. Doublé de David et un but de Vinicius. Ok. C'est carré, c'est bon. C'est ok. Carré, c'est et qui c'est qui fait l'engagement du match? Ça, c'est. Mathieu Bonnemer, il revient. Mathieu Bonnemer. C'est déjà une très grosse ambiance qui s'annonce cette soirée. Ça va être fou. Là, le LOSC est à l'échauffement et le Real également à l'échauffement. J'ai hâte que le match commence. J'espère que ça va aller, mais on attend tous ce match avec impatience. Thank you.
Photographe au mètre carré du côté du Real, c'est exceptionnel. Incroyable!
20e mi-temps, 1-0 pour le LOSC. Le LOSC mène au score face au Real 1-0. Et le pire, c'est que c'est pas démérité du tout. Franchement, le LOSC a fait une très très grosse première mi-temps face au Real. J'espère que ça va tenir comme ça en deuxième mi-temps, voire même mettre un deuxième but, ça serait la folie. En tout cas, l'ambiance est présente, c'est très plaisant, c'est un match de malade. Et kiffons juste ce match. C'est magnifique ce qui se passe. Près de la surface de réparation qui met une enroulée, ça passe juste à côté. On était pas loin du 2-0, c'est exceptionnel. Allez, la pépite Sahraoui qui va rentrer dans quelques instants. Chevalier à la 87e minute après une erreur de Boadi qui n'avait pas vu que Vinicius était juste derrière. Vinicius a récupéré la balle derrière, un magnifique centre, la tête et Chevalier qui fait une parade magnifique. On est à la 86e minute, toujours 1-0 pour l'Ulysse exceptionnel. Sortie du numéro 20, Mitchell.
9ème, plus 40 secondes. On va savoir combien de temps additionnel, ça va être à mon avis pas mal de temps additionnel, au moins 5-6 minutes je pense. Dernier coup franc pour le Real, c'est la dernière occasion pour le Real pour tenter d'égaliser, mais j'espère que ça va tenir les gars. Allez, il reste quelques secondes les gars, une occasion, on gagne contre le Real, c'est exceptionnel les gars ce qui se passe. Déjà vive le Real Madrid dans Ligue des Champions au Stade Ferroir, c'est exceptionnel, mais là si on gagne c'est incroyable. Allez les gars, coup franc pour le Real. Du matin, on a bien fêté la victoire du LOSC, je vous avoue, au temple. On est encore au stade. 1h30 du matin, les amis. C'était obligé. Lille et Real Madrid, les amis, on a battu le Real avec son équipe A. Donc on était obligé de fêter la petite victoire au temple. Merci à Joe encore pour les chaussettes Duvel, les amis. On commence la saison avec les chaussettes Duvel et une victoire face au Real. Donc on est reparti pour une saison avec les chaussettes Duvel, c'est magnifique. En tout cas les gars, on se rappellera de cette soirée
pendant des années et des années, c'est magnifique. On a battu le Real en Ligue des Champions au Stade Pierre-Mauroy avec le LOSC. C'est magnifique, franchement. On se retrouve, écoutez les amis, je ne sais pas quand, mais très prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire. Et puis à vous abonner au Instagram, lossiste2.0. N'hésitez pas. Et puis voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis les amis, à la prochaine. Allez, ciao. C'est nous les enfants de la DS, Lilo et C. C'est nous les...